Poutine avait demandé à Barroso d'organiser une réunion avec l'Ukraine pour essayer de voir entre les Européens, les Ukrainiens et les Russes comment faire en sorte que l'accord que l'Ukraine devait signer avec l'Union Européenne puisse être compatible avec la poursuite des liens commerciaux avec l'Union Eurasiatique qui allait être mise en œuvre le 1er janvier 2015. Et là, c'est Barroso, qui était le président de la Commission européenne, qui a dit non. L'Ukraine doit choisir librement son destin, et si elle choisit l'Europe, eh bien, tant pis pour vous. Et le début du début, c'est le refus de l'Union européenne de trouver un accommodement entre l'appartenance de l'Ukraine à la sphère de l'ex-URSS et la volonté de la majorité du peuple ukrainien d'appartenir à la sphère occidentale. Donc le refus que l'Ukraine soit un pont et d'en faire plutôt un bouclier.